Classé dangereux, le passage à niveau de Baillargues a été réaménagé en pont-rail pour améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons. Une initiative saluée par les habitants de cette commune. C'est vrai que maintenant, avec la modification qu'ils ont fait, c'est encore plus de sécurité et c'est mieux qu'avant, quoi. C'est beaucoup plus pratique car on peut passer en dessous de la voie ferrée, donc il n'y a plus ce risque justement de passer au-dessus. Chaque jour, 180 trains et 5000 véhicules passent ici. Alors le maire tenait à ce que le lieu soit sécurisé au plus vite. Coût total des travaux, 10 millions d'euros. C'est un passage à niveau qui avait été sujet à beaucoup d'accidents, notamment des accidents mortels. Donc il a fallu vraiment prendre des mesures radicales pour faire ces travaux. Dans le cadre d'un programme de sécurisation nationale du réseau SNCF, cette députée propose une douzaine de mesures pour les passages à niveau. L'urgence, c'est d'adapter les équipements de sécurité à la route, aux véhicules et aux piétons. Parce qu'on se rend compte que l'essentiel des équipements qui existent aujourd'hui sur les passages à niveau sont des équipements ferroviaires qui ne sont pas assez visibles et pas assez spécifiques. En France, sur 15 000 passages à niveau, 155 sont encore classés très dangereux.